toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Doufouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, comme vous avez vu pour le titre, pour la première fois, déjà là vous me voyez de pourquoi. Donc aujourd'hui je vais faire un haul pretty little thing. C'est comme ça qu'on dit, hein. PLT, bref. Et en gros, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour moi. Selon moi, j'ai acheté quand même pas mal de vêtements d'été. Le problème c'est que là, c'est bientôt la fin de l'été je crois. Je me suis un petit peu prise en retard. Mais en même temps, je voulais un petit peu changer de style parce que pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt décontracte, je connais streetwear, tout ce qui est jogo, tout ça. Moi, j'étais grave dans ça, tu vois. Et en gros, je voulais un peu changer de confort. Genre, je voulais un peu t'as capté. J'en ai aussi profité pour justement acheter des vêtements qui n'étaient pas du tout dans mon fort, tu vois. Donc voilà, donc je vais changer de style. Voilà, donc je vais un peu changer de vie en votre présence. J'en ai dit, j'abuse. Mais avant de commencer, vous connaissez Richesse. Mais cette fois-ci, je ne vais pas vous présenter cette perruque. Parce que je l'ai déjà présentée, je crois, je ne sais pas. Mais je vais vous présenter une perruque qui me vient de chez Sinosur Air. Donc en fait, eux, j'ai déjà fait une collaboration une fois avec eux. Mais c'était pour une perruque blonde. Mais là, j'ai voulu tester comment on dit ça, la frange en fait, parce que de base, depuis longtemps, moi je suis une meuf des franges, hein. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que moi je suis une meuf des franges. Et en gros, bah, j'ai voulu tester la frange, mais eux, ils m'ont envoyé une closure, vous voyez. Genre c'est pas en closure carrément, c'est en perruque fermée. Et moi je suis une meuf des laces, genre tout ce qui est lace et tout, c'est... Les laces c'est la vie, tu vois. Du coup, j'aime beaucoup, ça fait un gros rendu sur moi. Sauf que vu que c'est pas collé, ça me gêne un peu, tu vois. Mais en soi, la qualité, elle est moi. C'est du 22 pouces, comme vous pouvez le voir. Donc c'est comme ça, parce que je suis partie dans la piscine avec ceux qui m'ont sur Snap ou sur les réseaux. Je vais mettre, je sais pas, une vidéo là ou là. Donc la qualité, elle est super bien. Je suis partie avec dans l'eau. Donc vous comptez bien le chlore, le produit et tout, nana. Je suis partie avec dans l'eau. Donc voilà, c'est une frange comme ça. La frange, je l'ai coupée. J'ai coupé parce qu'elle était bien longue. Voilà, donc c'est des brésiliennes, 22 pouces, lisses. En vrai de vrai, j'aime trop. Mais juste, je pense pas que je vais la mettre tout le temps parce que c'est une closure. Ouais, ouais. Et moi, je suis grave une meuf des laces. Je suis une forceuse, mais je suis grave une meuf des laces. Mais bref, donc voilà. Donc pour les intéressés, tout sera en barre d'infos. Il voit loup. Mais elle me voit archi bien. Quand je vous dis que moi, je suis une meuf des franges, genre de base, je faisais que des franges avant. Des franges ou des touffes. Tu vois, avant, j'étais pas lisse, bouclée et tout. J'étais plus touffe ou frange. Ouais, bref. En tout cas, comme j'ai dit, la qualité, elle est magnifique. La perruque, elle est magnifique. Mais vu que moi, en gros, comme je vous ai dit, c'est juste... Ce qui me gêne, c'est que ce soit une perruque fermée, parce que je sais très bien que ça existe, les laces en frange, je sais très bien. Mais bref, voilà, voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on peut commencer enfin le fameux haul. Donc déjà, je vais baisser la caméra parce que t'as capté. Bon, j'essaie de la baisser, mais en fait, si je baisse plus, on va pas voir ma tête, parce que comme vous savez, je suis grande, et d'ailleurs, ça va servir pour le haul. Il faut savoir que je fais 1m76, 77, et compter même 1m80, parce que même d'apparence, j'étais archi grande. Donc en gros, là, les vêtements que j'ai essayés, comme j'ai dit, c'est des vêtements que j'ai commandés, on va dire, j'ai commandé le 30, ils m'y sont arrivés le 5. Comptez vous-même, je sais pas. Et en gros, il y a beaucoup de choses qui sortent de mon confort. Donc vraiment, si vous me voyez que je suis en mode comme ça et tout, c'est parce que je suis peut-être pas à l'aise, tu vois. Mais bref, je vais faire de mon mieux. Je vais monter sur un petit tabouret parce que vraiment, genre si je baisse plus bas, on va voir ma tête. Mais j'avoue que... Bref, on verra, de toute façon, on verra. Donc, premier haut. Donc, premier vêtement. Donc, le premier article, c'est Shape Cargo. Faut vérifier ce que c'est là. Ouais, donc c'est un petit t-shirt comme ça qui fait... Attendez, on voit même pas, wesh, attendez. Donc c'est un t-shirt comme ça qui est super, super joli, super simple, tout ce que tu veux, qui a un peu des effets... pas marbré, je dirais pas marbré. Vous voyez de vous-même en fait, genre il y a des nuages, il fait gris, hein, l'orage, voilà. Donc en gros, c'est bien marqué au niveau des seins en bas. Donc là, je vais l'essayer et je sais que ça, je voulais mettre avec un jogging, un bas gris. Et je sais que je l'avais pris aussi le bas gris. Ouais, donc c'était c'est un bas gris, genre tout simple, comme ça. Et genre, je trouvais que ça faisait bien ensemble. Et je pense qu'en fait, c'était la mannequin qui est habillée comme ça, donc j'ai pris ça, je sais plus. Mais je vais essayer ça tout de suite et on verra. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous voyez juste le haut, parce que comme je dis, je suis grande et si je baisse, vous avez capté. Et le haut, il me va super bien. Mais il me va super bien. Après, je vous avoue, là, je suis pas sortie de ma zone de confort, parce que de base, je m'habille déjà comme ça. Jogging, il est haut comme ça, je m'habille déjà comme ça. Mais le haut, il me va trop bien. Il me va trop bien. Donc je mettrai tous les prix en barre d'infos et tous les liens et tout ce que je... Et donc celui-là, je l'ai pris en taille 38, donc du M. Mais attendez, je monte sur le siège quand même pour vous montrer le bas. Le jogging, il est comme ça. C'est un jogging simple. Hein.
Je vais tomber. Donc c'est un jogging simple. Bon, hey, je vais tomber. Comme ça, sur Pretty, ils ont plein de joggings comme ça. Il y en a qui sont pas ça. Il y en a qui sont plus épais. Lui, je dirais qu'il est plus entre les deux. Donc là, je vous avoue que je suis pas vraiment sortie de ma zone de confort, mais hey, c'est trop beau. C'est trop beau, wesh. C'est trop beau. C'est trop petit. Et le haut, en gros, il est un petit peu matière. Je dirais pas maillot de bain, mais vous voyez les matières. Est-ce que vous voyez d'ici? Je sais pas si vous allez comprendre. Mais c'est un peu matière. Pas maillot, mais je pense que vous avez compris. Donc, franchement, pour la première tenue, validée. Hein. Validée. Donc, du coup, on va suivre sur la prochaine. Le prochain haut, je pense. Le prochain haut. Qui est. Ah, par contre, ça c'est matière maillot, ça par contre. Donc, c'est un haut comme ça. Simple, encore un croc top. Je vous jure, j'ai kiffé le haut. Bref, donc c'est un croc top. On dirait qu'il est grand un peu. Mais je sais pas, je vais l'essayer tout de suite. Et on verra. Mais par contre, il est vraiment matière maillot. Moi, je pense que c'est matière t-shirt. Hein. Mais bref, de toute façon, avec Pretty, tout ce qui est matière et tout, on n'est jamais, sûr. Alors, en fait, je sais pas si. Il est... Je sais pas si là, vous voyez à travers. Je sais pas s'il est transparent ou si c'est la lumière qui fait ça. Donc je vais m'approcher, donc bref je m'approche. Comme vous voyez c'est une qualité plutôt. Là c'est un maillot, clairement c'est un maillot. Franchement il me va bien, je pensais qu'il allait être un peu grand mais il me va bien. Il me va bien, donc c'est un crop top comme vous avez pu le voir. Je vais monter. Voilà, c'est un petit crop top comme ça. Mais en fait je sais pas si vous voyez à travers, c'est ça qui me gêne. Je sais pas si c'est ça que je vois là. J'espère pas hein. Mais bref en tout cas si c'est ça je peux pas mettre une brassière dedans alors que c'est déjà façon brassière. Je sais pas, mais en tout cas, franchement, j'aime bien. Juste, je pensais que ça allait être t-shirt façon. Mais... Après, je sais pas ce que je peux dire de plus sur ce haut. Donc, on passe à l'article suivant. Alors, l'article suivant, c'est. C'est un haut. Croc top encore, je suppose. Je sais pas, je pense pas. Bah, je vais laisser en fait. Là, je vois ça comme ça, mais je sais même plus ce que j'ai pris. Hein. Shade Grey. Pardon mon anglais. Avant, j'essaye tout de suite. Donc voilà comment se présente le haut. Et déjà, de comme ça, j'aime trop. Attendez. Donc c'est pas un croc top, je crois. Je pense pas que ce soit un... Je pense pas que ce soit un croc top. Je pense qu'il y a un haut. T'as capté. Et j'aime trop, en fait. Je commence un tout petit peu à sortir de mon confort là. Et j'aime trop. Ça me sert bien. La matière, elle est bien. C'est une matière un peu... On dirait que c'est doux, on dirait de la laine. En maille, voilà. J'aime bien la maille. En maille, ça fait bien ressortir ma poitrine, de toute façon. C'est bien le truc, en fait. C'est bien taillé. Surtout pour moi, genre, je trouve. Pas trop grand, pas trop petit. Comme c'est avec le jogging, ça le fait aussi. Mais ça, je pense que ce haut-là, tu peux le mettre avec un jogging comme ça. Ou un jean. Ou je sais pas. Mais en tout cas, là, comme ça, moi, je trouve que ça fait bien. Bref, passons à la suite. Je pense que là j'ai passé au bas. J'ai déjà commandé des jeans sur Pretty. Je me rappelle, j'avais pris un pantalon. C'était du 38. Et genre, il m'allait vraiment comme du 38. Ça, ça me serrait de ouf, tu vois. Or, c'était un pantalon un peu qui te fait un petit peu mom façon. Et voilà, donc là, c'est quoi? Donc, c'est un jean. Ok, c'est les jeans qui ont la fente en bas. Ok, je l'ai pris en. 10, c'est quoi 10? J'ai pris en taille 10, donc là je vais l'essayer. Et déjà la matière, c'est vraiment jean. C'est pas ouais, des matières un peu fines là. Ça c'est vraiment du jean genre. C'est bien. De toute façon les jeans de Pretty ils coûtent cher quand même je trouve. Hein, pour ce qui en est. Et bref je vais l'écouter, donc je vais le mettre. Oh, mais en fait je crois, on dirait il est gros. Franchement je suis pas à balèze comme ça. Je sais pas, on dirait il est gros. Mais là je vais essayer et donc il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Donc là je le mets. Et puis, je crois que j'ai grossi parce que si, déjà là, il me rend très bien. Il me rend super bien là. Donc, c'est Magdala, ça va pas. Oh, je crois qu'il me sert un peu carrément. Eh, les gars. Attendez, je pousse un peu la caméra vers l'arrière parce que là, si je monte, je sens que je vais tomber. Mais les gars, déjà, attendez. Wouh! Allez. Attendez. J'ai pas de danse. Wouh! Allez, wouh! C'est une blague. C'est pas chez Pretty, c'est chez Zara ça. Il me va super bien. Et en mode en bas, bah il me va jusqu'en bas en fait. Pourtant, j'ai pas pris chez les grands. Parce que moi, comme je dis, je suis grand, j'ai des longues jambes. De base, j'aurais pris, en temps normal, j'aurais pris chez les tall.
T'as capté, je suis les tôles. Mais là, le jean, il me va super bien. Ouais, donc, il me va jusqu'en bas. J'aime vraiment trop, en fait. J'aime vraiment trop, malgré qu'il n'y ait pas trop, parce que moi, je suis grave une meuf. Elle, la street, je vous ai dit, ouais, quoi, il est déchiré et tout. Moi, c'est ça, moi. Déjà, ça fait plus, plus classe. Même si c'est un jean, ça fait quand même classe. Parce que moi, déjà, il est évasé, un peu. Malgré la fente, il n'y a pas de trou, il n'y a rien. Bien taillé, tout. Je valide à 1000%, en fait. J'aime trop. Ça me taille super bien. Ça me sert pas trop les fesses. Non, ça me sert pas trop les fesses. Franchement, je suis bien dedans. Ça fait même bien avec le haut et tout. Je suis archi bien dedans. Donc là, je vais rapprocher la caméra parce que... Et voilà, on passe au prochain article. Bah non, du coup, vu que... Désolée, vu que c'est un autre jean, bah je vais montrer le jean. Donc sous le même angle, hein, logiquement. Donc là, c'est quoi comme jean que j'ai pris là? Donc là, c'est... Bah du coup, là, il est déchiré, vous voyez. Il est déchiré. Je pense que c'est un jean mom, hein, du coup. Jean mom 10. J'ai encore pris 10. Ça doit être 30. Ok, le 10, c'est du 38. Et donc là, du coup, je vais aussi l'essayer. On verra ce qu'il en est. Attendez déjà si je mets ça comme ça. Et je pense que c'est carré. Hein. Et je pense que c'est... Et jusqu'à maintenant, zéro faute. Pretty, zéro faute. Vous, là, attendez. Donc, du coup, je le mets. Alors. Pareil que l'autre. Pareil que... Non. Les amis, il est sauté. Les amis, il est sauté. Il est sauté. Mais en fait, vu que moi, de base, je suis une meuf, je mets des chaussettes, genre, je pense que ça va le faire. La meuf qui est grave en train de se rassurer et tout, mais oh mon Dieu, attendez. Parce que dans tout cas, c'est un mom, ça doit pas trop serrer. Donc, il est comme ça. Il me va bien à la taille, je trouve. Mais juste en bas. Attendez. J'ai vraiment des longues jambes, hein. Jusqu'à là, on peut même pas voir. En gros, c'est sauté, je sais pas si vous voyez. C'est quand même sauté, mais vu que... Ah, je sais pas, en fait. Grave le mettre avec. Du coup, je pense qu'en fait, ça peut le faire même si c'est sauté. Tant que je mets ma petite paire de chaussettes. Mais en fait, c'est pas sauté, je suis bête ou quoi? C'est un jean mom. Ça t'a parlé jusqu'en bas. En fait, il me va super bien, je suis une grosse menteuse. Il me va super bien. Je suis une grave mytho. Grave mytho, en fait, il me va trop bien. Regardez, il me va trop bien. Bref, les jeans de Pretty, archi pas déçu, je comprends pas ce qui se passe. Moi, je pensais qu'il y avait un petit bémol, un truc comme ça, mais non, pas du tout. Et je sais pas, j'ai essayé comme un article. Jusqu'à présent, c'est en sans faute, mais vraiment. Genre, vraiment, vraiment, vraiment. Bref, c'est peut-être juste haut, donc là, je vais me changer. Du coup, je vais en prendre le prochain article. Qui est là, je pense que je sais, c'est un petit haut. Ça va être aussi un crop top. Désolée si vous entendez des trains qui passent, j'avais juste à la gare, en fait. Bah, donc, il se présente comme ceci, donc tout mignon, tout simple. Mais en fait, tout ce qui est des choses basiques, en fait, même si c'est basique, il nous les faut, tu vois. Là, déjà, à vue d'œil, je vois à travers l'étiquette. Vous voyez pas, mais moi, à travers, je vois l'étiquette. Donc, j'ai peur qu'on voit mes petits trucs noirs. Donc, déjà, c'est de la matière tissu, hein. Vous voyez, de toute façon, ça se voit, on reconnaît la matière, vous voyez. Mais il n'y a pas de, ouais, élastique et tout. J'aime beaucoup la matière. Enfin, c'est une matière simple, quoi, bien légère, bien pour l'été, du coup. À ma grande surprise, il n'est pas aussi transparent que ça. Même pas, il n'est pas aussi transparent que ça. Donc, du coup, il est super trop mignon. Je sais pas s'il me sert ou si c'est ça qui est comme ça, qui fait ça. En tout cas, il est super mignon. Les petits détails ici, là, je kiffe. Je kiffe. En tout cas, moi, comme je vois là, j'aime beaucoup. Donc, je l'ai pris en taille 38, hein, comme d'hab. Moi, en gros, moi, je fais du 38-40. Mais je suis plus dans le 38, tu vois. Des fois, je suis plus dans le 40, j'ai des périodes, ok. Ensuite, article suivant. Qu'est-ce que c'est? Eh, hey, ces hauts là, je vois tout le temps des meufs avec mes copines, elles mettent des hauts comme ça, mais moi, je ne suis... Hey, je suis pas... Ça, c'est un peu bohème, tu vois. C'est un crop top parfait. Et en gros, bah, les manches, elles sont en mèche, façon. Donc, transparente un peu, vous voyez ou pas? Comme les guépières, là. Ça. Ou stickers guépières, bref, je sais pas. Devant, on dirait grave... Vous voyez, dedans, il y a des trucs de gaines, là. Vous voyez les gaines? Bah, il y a ça dedans. Il y en a trois. Quatre. Il y en a quatre dedans. Du coup, ça, je pense, c'est au niveau de la poitrine, logiquement. Mais bref, je vais essayer ça et on verra. On se retrouve au prochain plan. Donc voilà, vous moquez pas, je sais pas comment ça se met. Eh, je comprends rien, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Eh, je sais pas d'où ça sort ça. Je sais pas. Je sais pas, vous moquez pas de moi, je sais pas comment ça se met. Je sais pas si ça se met comme ça. Je pense que c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Ça en fait, ça me gêne, donc je peux même pas l'enlever. Je comprends que dalle. Bref, en soi, le haut... J'aime bien, il est trop choupi. Donc là, je l'ai mis par là. Comme vous pouvez le voir. Il faut juste la fermer. Commencez pas. Commencez pas, s'il vous plaît. Commencez pas à me dire c'est trop petit ou je sais pas quoi. Bref, non, il me va. Non, il me va, il me va.
Donc du coup, bah, c'est un croc top, comme vous pouvez le voir. Et ça fait bien que j'aime, pour le coup, ça fait bien. Par contre, moi, ça me gêne, hein, les trucs de gaine, là, ça me gêne. Je vois pas l'utilité, je sais pas ça, je sais pas. Mais j'aime beaucoup le style, j'aime beaucoup le délire, t'as capté. Donc ça, franchement, je pourrais sortir avec, tu vois, on dit, ouais, on sort entre filles, tout ça, j'y vais. D'ailleurs, pour en parlant de sortie, j'ai aussi pris, donc j'avais aussi pris un sac que j'ai pris chez comme ça, à bandoulière, alors ça continue, tu vois. Bref, sauf que là, c'est des chaînes, donc je vais le mettre comme ça, après je monte. Donc vous pouvez le mettre comme ça, ouais, comme vous pouvez le mettre comme ça, je suppose. Comme ça, tu vois, ou même comme ça. Parce que moi, je suis neuve des comme ça. Du coup, ça fait archi carrément avec le bas, avec le jean, ça fait trop bien. Petite sortie avec les filles, avec son copain. Hein. Tranquillou, tu connais la mif. Franchement, c'est vraiment le truc qui me fait sortir de mon confort de ouf. Genre, et je pense qu'il faut se mettre comme ça. Hein. Que ça, comme je l'ai dit, je comprends rap. Je sais pas ce que c'est, je vois pas l'utiliser. Et voilà, et voilà. Passons à l'article suivant. Eh, mais carrément, avec cette tenue, je vois trop. Un bob, parce que genre j'ai pris des bobs aussi, petits accessoires tu connais. Genre un petit bob comme ça, avec un aigle devant. Je sais pas si on voit bien. Avec un aigle devant comme ça. Et ça je pense que ça s'enlève. Ouais. Et je pense que ça pourrait faire genre... Attendez. Ah ça pourrait le faire. Comme ça. Après vous sortez, t'as ton petit bob et tout. Je pense que ça peut le faire de ouf hein. Enfin pas de ouf. Parce que du coup, je l'ai pris un autre aussi d'une autre couleur. Parce que là, ça fait bien. T'as capté. Du coup, je l'ai aussi pris en bleu ciel. Enfin, c'est du ciel en fait. Donc, ouais, donc c'est un bob en gros bleu ciel. Vous voyez les motifs du ciel, tout ça. Et c'est même bleu ciel, t'as capté. Pour les bobs, c'est taille unique. Tous les bobs de là-bas, de toute façon, ils sont taille unique. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça peut donner avec ça? Ça pourrait le donner, ça pourrait le donner. Et il est trop beau déjà. Wesh, il est trop joli. Ah, carrément, je crois que je préfère avec ce bob là qu'avec l'autre, carrément. Tout ça, et tu cales ta petite Jordan. Regardez, je pourrais la caler avec quelle Jordan, attendez. Je pense que je pourrais la caler avec celle-là. Bon, elle date un peu, elle, j'ai depuis septembre, bah, ça fait un an, ça fait un an que je l'ai. Mais genre, je pourrais la caler avec, je pourrais pas la caler avec celle-là parce que elle est rouge. J'ai aussi la orange, la blanche. La blanche, je pense que je pourrais la caler, mais avec le pantalon comme ça, non. Je pense que c'est une haute comme ça qui pourrait le faire avec. Je pense que ça pourrait même grave le faire. Ouais, ça pourrait grave le faire. Passons à l'article suivant. Donc, l'article suivant. Eh, j'ai chaud avec ça. Hein. Eh, pardon. J'ai chaud. L'article suivant, c'est... C'est... Ok, donc en gros, c'est un haut bandeau, mais en body. Donc, je pense que je peux aussi mettre avec ce bas-là. A tout de suite. Donc voilà, ça c'est un haut bandeau, vous connaissez déjà, simple, basique. Et en gros, celui-là, donc là je l'ai pas attaché. Hein. En fait, ça je l'ai pris en 36, donc je pense que si vous prenez un bandeau comme ça, ne prenez jamais votre taille exacte, parce que moi je pense que j'ai pris en 36 pour que ça me serre. Et pour le coup, ça me sert, mais limite pas, tu vois. Donc si j'aurais pris du 38, ça m'aurait flotté, je pense, parce que là, ça c'est 36, mais tu vois, ça bouge un peu, tu vois. J'aime bien. Avec le jean, je pense que ça pourrait le faire quand même. Avec le jean. Bah normalement logiquement ça le fait avec le jean hein. Ouais bah ouais logiquement ça le fait. Bref, passons à l'article suivant. Bref, j'ai pris le sous-vêtement, du coup c'est pas la peine de montrer. Voilà. Donc prochain article, qu'est-ce que c'est? Ouais bah voilà, c'est un haut blanc aussi simple, mais il est vraiment crop top hein. Et ils sont... Ah, ils sont forts celui-là. Donc ouais, un haut blanc normal. Donc je l'ai pris en 38, je suppose. 38, là déjà, vu d'œil, j'aurais dû prendre en 36 parce que là, il est... C'est pour qui ça? C'est pour moi? Ça peut ou quoi? Bref, on verra de toute façon. A tout de suite. Par contre, les amis, lui, il est transparent, mais il est super joli. Il est bien... Genre, il est bien... Faut que j'arrête. Pareil, bien taillé. Il me colle bien. Du coup, ça fait vraiment ma taille, ça fait du 38. Bah, c'est un haut simple, du coup, tu peux mettre avec tout. Hein, que ce soit jupe, legging, cycliste, short, jean, tout ce que tu veux, salopette, tout ce que tu cales sont tout. Et bien, ça le fait bien, ça fait bien. Bah, le jean, carrément, ça fait bien. Mais dommage que... Il est quand même un peu transparent. En tout cas, j'aime bien, j'ai pris en 38, une manteau, j'ai dit 36, 36, on va me resserrer jusqu'à... Mais bref. Passons à l'article suivant. Qu'est-ce que c'est?
Ok, donc là, on avance là. Ça, en fait, c'est une robe, mais je la mets juste de côté. Parce qu'en fait, il reste des bas, je crois. Je suis sûre qu'il y avait encore... J'avais encore pris des bas. Les gars, vous allez pas me croire. C'est même pas qu'ils m'ont envoyé un. Hein, ils m'ont envoyé deux pareils. Alors que je m'avais pris un noir et un gris. Je sais c'est quoi en fait, regardez. Vous voyez les bas comme ça? Ou en bas c'est fendu. Et bien c'est ça que j'avais pris. En fait, ils m'ont envoyé deux gris. Pourquoi deux gris? Un noir, ça allait bien aller, un noir. Avec les traits en plus qui passent. Et j'ai trop la haine. J'ai trop la haine. J'en ai deux maintenant. Bref, je l'essaye et je reviens. Je suis grave énervée en fait. Je suis grave jambe là. En vrai de vrai, je comptais grave sur le noir en fait. Et du coup, il me va bien, je suppose. Il me va comme j'imaginais. Voilà, voilà, tu peux me tracer parce que j'ai un short en dessous. Mais bref, il me va bien. Il va jusqu'en bas. Du coup, il est un petit peu transparent parce que mon short il est blanc et moi là je vois du blanc à la caméra, c'est pas normal. Ouais, sinon il me voit bien, mais je suis grave énervée. C'est pas ça qui était prévu. Bref, on passe à la suite. Donc, du coup, pour la suite, comme vous avez pu le voir, c'est une robe en bandeau. Donc, c'est encore un bandeau noir, mais en robe cette fois-ci. Robe moins court, hein. On voit un peu même IPND, hein. Bon, bah, du coup, on sait tous que j'ai un short blanc en dessous. Donc, je sais pas si il va se voir. En tout cas, j'aime trop la robe. Elle est simple. Elle est mini, elle va bien au corps. C'est du 38 comme d'hab. Elle me sert pas. C'est mon petit bidou là. Bon bah, je pense que celle-là aussi, je l'ai pris en 38, je pense. Franchement, elle me va bien. Je suis pas trop serrée. Juste comme j'ai dit, mon bisou. Et là, je pense qu'on voit mon short. Mais c'est un petit peu transparent. Donc, autant mettre une culotte noire en dessous si vous êtes noir de peau. Mais bref, en soi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Bref. Passons à l'article suivant. Enfin, à la robe suivante du coup. Donc, du coup, ce qu'il y a après, c'est une robe. Cette phrase, je peux plus me la voir. Cette phrase, je ne peux plus. Il y avait un temps maintenant, c'est bon. S'il vous plaît, arrêtez de dire. Donc, là, c'est une robe. Le gris, c'est ce que je préfère dans les vêtements, je crois. Bref, en gros, il y a une petite. Un petit écriteau là. Après, Chili Totting, en gros. Paris, Tokyo, London, New York, donc les capitales, c'est ça? C'est une robe près du corps, un peu simple, été, qui fait été, du coup. Voilà, je vais essayer tout de suite. Alors, ok, donc du coup, j'avais pas vu, mais il y a une petite ligne ici qui sépare. J'ai encore un short, donc si vous voyez des démarcations, c'est normal. Bien près du corps. Pour le coup, j'aime beaucoup. Je crois que c'est juste... En fait, je suis 36 parce que ça me sert vraiment. Hein. Je crois que ça me sert vraiment, mais j'aime beaucoup. Rien à redire, en fait. Simple, été, tout... capté, et je vais tomber hein. Et malgré qu'on voit la démarcation du short en dessous, j'aime beaucoup. Le gris est pas mal, l'écriture ça dérange pas, j'aime bien. Bref, passons à la robe suivante. Voilà, j'ai menti là, pour vous j'ai menti, je suis pas sortie de ma zone de confort parce que en gros tout ce qui est streetwear c'est en mode large, t'es à l'aise dedans, donc ça franchement t'es pas à l'aise, mais ça sert le corps, tu vois. Mais moi mon dada en vrai de vrai, hein. Mon daddy dado. Comment mon dada c'était, enfin c'est plutôt, tout ce qui est t-shirt large, tu vois. Donc là, j'ai pris. Ok, c'est un t-shirt. Parce que là, ils ont dit robe, mais c'est un t-shirt. C'est un t-shirt là, c'est pas une robe. Quoique, ça va même longueur que ça. Mais je sais pas, ça fait t-shirt. Attendez, j'essaye, je reviens. Laissez-moi rire. Donc ça, c'est une robe, ça. Ça, c'est une robe. C'est un t-shirt. C'est un t-shirt, j'ai dit. Bon, il y a mon short. Mais c'est un t-shirt, c'est pas une robe. C'est un t-shirt avec des écritures en noir là au milieu. Bah du coup transparent parce qu'on voit encore mon short en dessous. Quoi dire, c'est du 40. Donc j'imagine pas 38 en fait. Et de base c'est des robes. Quelle robe là? Donc si franchement vous pensez que je peux sortir comme ça en mode robe, alors qu'on voit ça va pas ou quoi? Jamais. Quittez. Bref, malgré tout, c'est quand même un beau t-shirt. On va pas cracher dessus, hein, parce que si je l'ai pris, c'est parce que j'aimais bien le motif et la couleur, donc franchement, ça reste beau. Ce n'est pas une robe, et moi, je voulais une robe. Mais bref, voilà. Ensuite, article suivant. Pareil, tu vois, c'est un petit peu la même chose, tu vois, robe t-shirt. Moi, je kiffe ça, tu vois, je kiffe. Donc, c'est une robe t-shirt qui se présente comme ceci, que j'ai pris en taille 38. Et vous voyez, pour du 38, c'est bien large. Ça, je crois, c'est vraiment... une robe t-shirt, tu vois. Donc voilà, donc la matière est libre. Comme j'imaginais, en mode tissu et tout. Mais tissu un peu, je sais pas comment dire. Élastique, hein. Bien élastique. Je vais la mettre et je reviens. Voilà, ça c'est ce que j'aime. Ça c'est pour moi. Ça
Ça, c'est vraiment une robe t-shirt. Ça, là, je kiffe. Elle, c'est mon dada plus plus. T'es à l'aise dedans, tout, été, tout ça. Je vois venir, je vais dire, ouais, ça fait nappe, ça fait pas nappe. Tu connais la mode ou tu connais pas. Il y a plusieurs coloris de ça, mais moi, j'ai pris celui-là parce que j'aimais trop. Sur la tienne, ça, c'est trop bien, je crois. Ça, pareil, tu cales ton petit bob avec ta petite paire. Parce que là, bah, du coup, j'aurais mis la petite paire de Jordan 1, la blanche. Du coup, t'aurais calé avec ce bob-là. Là, juste ça, ça donne un style. Avec le sac, est-ce que ça peut le faire? Petit sac. Ça le fait en plus. Ça le fait en fait. Eh, ça le fait. Je crois, on dirait que tous les vêtements que j'ai pris, on dirait que c'est. Ça va ensemble. Mais ça, je pense que j'aurais pu se mettre comme ça, tu vois. Tac. Ton petit bloc, ta petite peur de J1. Eh, trop bien. Trop, trop bien. T'as du style et t'es classe et t'es belle. Donc voilà, franchement, tenue validée. Enfin, tenue validée, robe validée. Bah, du coup, tenue aussi validée. Franchement, là, c'est. Tu vois sur Paris, avec la mif, avec tes potes, avec tout ça. Mais c'est que le bouclier, ça rend bien. Bref, tenue. Donc, encore une fois, c'est encore des sous-vêtements, du coup, je ne vous montre pas. Dans le petit coquin. Et la tenue suivante, c'est. Ça, je sais ce que c'est. C'est une robe chemise. C'est pas vrai, je sais pas ce que ça va donner sur moi, parce que ça, c'est vraiment des trucs que ma mère aimait. Là. Ah, mais attendez. J'avais pris cette chaîne aussi chez Prichy. Et ça ferait trop bien avec justement cette robe. Là, il n'y a personne pour me la mettre. Je vais me débrouiller tout seul. Comme une grande. Bon, du coup, ça, ça ne sort pas dans ma zone de confort parce que je mets déjà des trucs comme ça. Tu vois, donc là, tu cales derrière. Comme ça. Vous ne calculez pas l'autre chaîne, mais comme ça, comme ça. Franchement, ça, c'est un truc que tu dois mettre en mode street. En tout cas, là, j'aime bien comment ça rend. J'aime bien ranger avec ça. Comme j'ai dit, c'est une robe chemise. Donc vraiment, je ne sais vraiment pas comment ça va donner. En plus, je suis maquillée, j'ai peur de tâcher la robe. Mais là, c'est des trucs que genre ma mère s'est habillée comme ça. Genre, tu vois, c'est pas ça, c'est pas la vidéo. C'est le truc de ma mère. Genre, moi, je ne me voyais pas m'habiller comme ça. Du coup, bah, je vais quand même voir parce que sur le mannequin, ça faisait archi beau. Mais eux, ils commencent à me saouler avec leur truc là. Parlons vrai là. C'est quoi ça? Bref, je vais essayer et je reviens. Donc, qu'est-ce que t'as fait, Magdala? Je ne sais même plus comment la mannequin l'avait mesuré pour que ça me donne envie de l'acheter. Je pense qu'elle n'avait pas fait un truc comme ça. Un truc comme ça, je sais plus, mais là je le mets n'importe comment en fait. Elle a mis comment? Elle est pas mis comme ça. Eh, je sais plus comment elle a mis, les amis. Là, je vais encore un truc, un bouton. Je pense pas qu'elle l'avait mis comme ça. Là, ça fait trop sexy. En plus, c'est transparent. Après, je sais plus comment elle l'avait mis la mannequin, mais ça faisait grave bien. Du coup, là, je suis un peu perdue. Je suis un peu perdue parce que c'est transparent, mais c'est une robe. Du coup, je sais pas comment je vais la mettre. Du coup, oh non, c'est super transparent. C'est super transparent. Mais ça va pas ou quoi? Dans ma tête, je me suis dit, je vais donner à ma mère, mais ma mère, tu crois mettre un truc transparent comme ça ou quoi? Moi, je suis fâchée. Je sais pas le mettre. Si je le mets comme ça, on dirait que je vais. Je sais pas, un baptême. Je sais pas, je vais où, mais. Ça fait aussi bien comme ça, mais ça m'a saoulé en fait. Du coup, voilà, et il manque un dernier article, je crois. Donc, franchement, cet article-là, je l'ai pris en 38. Je sais qu'il va plaire à beaucoup de personnes. Moi, je sais pas comment m'habiller avec en fait. Je sais pas comment le mettre. Parce qu'en fait, je sais que ça peut grave bien rendre. Attendez, je me le mets en face de moi. Ça peut grave le faire. Pareil que ma paire de Jordan. En vrai, cherchez pas. Moi, les paires que je préfère, c'est les Jordan 1. J1 là, c'est mes préférés. De toute façon, je trouverai comment m'habiller avec. Même si c'est pas avec un cycliste ou un truc, je trouverai. En tout cas, Taras. Taras. Donc, le dernier article, en fait, c'est le premier que j'ai ouvert parce que ça m'a intrigué de voir un truc bleu. Je ne me rappelle même pas avoir commandé ça. De ce que j'ai compris, c'est une robe pull. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est une robe pull, mais vraiment pull. En plus, leurs pulls, ils sont épais. Là, j'ai tellement chaud, je ne sais pas si je vais le mettre. Donc, il se présente comme ça. Il y a des trucs. En fait, on dirait à partir de là, ça se resserre. Tu vois, la taille, genre. Donc, elle a la capuche, tout ça. Et je crois que je vais l'essayer parce que là je parle trop. Je sais même pas c'est du combien. Regardez déjà. J'ai du mal à enfiler ça, j'aime pas finir en plus. Il me sert, du coup c'est une robe pull qui se présente comme ça. Personnellement j'aime pas trop. J'aime pas trop, mais je crois que sur la mannequin ça se dégage parce que si j'ai pris c'est vraiment soit parce que j'ai vu sur quelqu'un ou sur la mannequin. Et ça j'ai fait personne avec donc je pense que c'est la mannequin. Non, soit il est mignon en fait, je suis une menteuse. J'aime bien. Attendez, je me lève tout de suite. On voit pas à travers là, c'est une blague. Non, c'est la trace. En soi, j'aime bien, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Je sais pas ce que c'est. Donc, elle a la capuche, elle tient super chaud. Donc là, je vais vite l'enlever. Et encore une fois, là, c'est archi dans ma zone de confort. Hein. Tout ce qui est pull et tout, c'est grave mon dada. J'enlève ça et je reviens. C'est pas possible. Est-ce que ça peut le faire avec ça?
Et c'est vraiment juste caca, voilà, je sais ce que je raconte là. Bah, comme j'ai dit, je vais me changer et je reviens. Donc, me voici de retour. Alors là, j'ai déjà, et les amis, j'ai super chaud. Ça m'a donné super chaud. Tout ce qui pull et tout enlever, mettre, ça m'a donné super chaud. Mais bref, donc voilà, j'ai fini mon haul. J'espère que ça vous a plu parce que pour un premier haul, je pense que je suis quand même pas mal débrouillée. Tout ce qui était article, c'était super bien. On a beau dire qu'en gros, c'est archi beau, mais la qualité, elle est pas là. Mais de ce que j'ai vu là, en fait, j'aimais bien, à part le haut rouge. Ça faisait trop maillot. La robe chemise, genre elle était transparente. Je pensais qu'elle serait un peu épaisse. Je pense que c'est tout, hein. J'ai pas en tête là. Je sais pas, mais en tout cas, tout le reste, j'ai grave kiffé. Tout ce qui est qualité, tout ce qui est taille, tout était bon. Tout était bon, même les jeans et tout. Tout était bon. Je vous recommande à 100% Pretty. En tous les cas, tout le monde connaît, tout le monde a déjà commandé là-bas. Mais tout ça, c'était vraiment un truc sur moi parce que j'ai quand même un corps, j'allais dire atypique, mais non pas atypique parce que je suis quand même, je suis pas la seule grande du monde. J'espère que ça aidera aussi les personnes de grande taille qui ont un petit peu de chair ou skinny parce que même moi, je sais pas si j'ai de la chair ou je suis skinny, je comprends pas mon corps. Comme je dis, je suis du 38 et du 40. Des fois, c'est que du 40, des fois, c'est que du 38. J'ai vraiment un problème. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager, circuler ça bien comme il faut. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.